Yo, c'est Chax, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo parce que je vous avais parlé que j'allais changer mon pot d'échappement sur ma Mazda MX-5, que j'allais mettre tout en inox. Du coup, j'ai récupéré ma voiture hier et je vais vous présenter aujourd'hui le résultat. J'ai pu ramener du coup le véhicule hier soir. Franchement, le son, c'est à rien à voir. C'est un truc de fou. Le bruit est beaucoup plus rock, on entend beaucoup plus, ça fait beaucoup plus sportive et c'est ce que je recherchais justement. Voici la bête. Du coup, là, on est dans mon garage. J'ai pas vraiment beaucoup de place au niveau de l'arrière. Je vais essayer de mettre la caméra au mieux que je peux, au plus près, pour mieux entendre le bruit. J'espère que ça va être nickel. Du coup, ça va être un démarrage à froid que je vais vous montrer là tout de suite. Pour le pot d'échappement, j'ai été à Metal Custom à Barentin. C'est quelqu'un de très pro qui fait que ça, que du pot d'échappement sur mesure. Et franchement, il est super réputé dans la région. Il fait du très bon travail. Je vais vous mettre un peu tout ce qu'il fait dans la description. Comme ça, vous aurez un peu tous les éléments. Pour le pot, j'en ai eu pour à peu près 700€. Et franchement, pour le résultat, j'en suis super satisfait. Voilà, du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était une vidéo vraiment assez courte. C'était juste pour vous présenter mon nouveau pot d'échappement sur ma MX-5. J'ai eu pas mal de retours comme quoi les personnes étaient intéressées et qui voulaient se renseigner un peu sur les nouveaux pots qu'il y avait pour les MX-5. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça serait super cool. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!